Bonjour à tous et à toutes. Que Ah ouais, on a fais-tu? encore trouvé Laura dans le coin, donc on l'a embarquée. Elle était là sur la route, on s'est dit, allez, on va la Voilà, pêcher. on l'a embarquée. Alors, on vous fait un petit haul action et puis je vais vous montrer encore un produit Lexéol et on ne rigole pas. Tant que c'est pas un truc pour traire les poules. Là, c'est non. Bien pour pénétrer direct. Voilà, c'est un petit masque pour les cheveux, donc ça vous le trouverez sur le site, je vous mettrai les liens en dessous. J'ai même un code pour moins 10% donc à vous mettre aussi en dessous. Et c'est un masque fortifiant, redonne force et vitalité aux cheveux. À la provitamine B5 et vitamine PP. C'est pour les cheveux normaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des cheveux pas normaux? Oui, il y a des cheveux pas normaux. D'accord. Donc voilà. Ça c'est un bien. Gros masque à mettre après les cheveux mouillés. Bon, vous voyez, il est encore mal. Vous laissez agir 2 minutes, je crois que j'ai vu ça. Vas-y, fais-le. Appliquez généreusement après le shampoing sur toute la chevelure jusqu'aux pointes et laissez agir 2 minutes et rincez. Voilà, c'est un masque pour les cheveux, donc je le déballe. Ça agit fortement toute la journée. Il est bien plein, la vache. Ça pue ou pas? Il est bien plein. Ça pue? Non, ça... Oh, ça sent super bon. Mmh. Ah ouais, ça va. Ça a l'air frais en plus. Ouais. Donc je testerai ce soir, je pense. Tu mettras ça en vidéo pour faire voir ta gueule? Qu'est-ce que ça donne? Sur la douche, je suis pas sûre. Ah, c'est sur la douche? Ah ouais, non, il va avoir peur là. Il va avoir peur. Moi j'ai déjà peur. Donc, là, je vous dirai en commentaire en dessous si c'est très très bien ou pas, ou pas bien du tout. Voilà, sur ce, allez voir sur le site. Ça y est, elle a vendu sa drogue. Et on va commencer par les after hacks, ma femme est chaude. Eh les filles, ça suffit, oui? Les after eggs, ma femme a l'air pris parce que nous on adore ça, non, chocolat menthe, pour ceux qui ne savent pas, les autres, elles sont dégueulasses, chocolat orange ou je sais pas quoi. After eggs? Oui, il y en a un aussi. Ah bon? En bâtonnet, tu sais, là. Ah mais non, c'est segment, ça. Eh ben, c'est de chez After eggs. Non, non. Ah bon? Bon, d'accord. 1,59€, vous n'avez pas grand chose dedans, par contre. Moi, je préfère quand c'est le maxi. Ouais, les grands, bon, ouais. Ils sont plus chers. Il y a combien là-dedans? Je sais pas. Après, il y a 200 grammes. Ouais, par contre, on a intérêt à les bouffer rapidement, hein, le 10 2020. Mois d'octobre. Eh, vous avez vu le. Ça fait comme le lait de poule en fait, enfin, vous rappelez. Tata elle a pris des pailles, je suppose que c'est pour le jour de l'an, non? Non, ou Noël, pour, ou n'importe quand peut-être, voilà. Je sais pas. C'est pour faire quoi? C'est pour paille. 0,62 et puis bah, voilà, il y en a 10 dedans, noir et grise, ou argenté, toute grise et blanc. Voilà. Et... Laura va être au courant, elle s'est pris 2 minuteurs, donc ça c'est pour son sapin de Noël. Donc je sais qu'il y en a en avance qui vont dire « Laura, tu pourras faire une petite vidéo pour montrer ton sapin s'il te plaît ?» Je ferai un snap. On fera un snap. Fera un petit... Oh, voilà. T'as fini? Donc Laura, je lui ai dit de prendre des programmateurs, pardon. Donc il y en a deux à l'intérieur, 4,39€. Voilà. Mais lâche ta fille. Elle va lâcher à la porte. Alors Tata, bon, on a pris du cappuccino, moi j'en ai pris un pour moi, Tata en a pris un pour elle. Tu n'as pas la dolce? Si, elle a encore, elle va l'envoyer au SAV. 2,99€ le sachet, puis bah, ils sont bien, franchement. Ils n'explosent pas la tête. Voilà, déjà, ils ont un bon goût. Ils ont un bon goût, ouais, ils sont puis, bien. Et bah, puis toujours 7 cafés et 7 laits. Ouais, voilà. 2,99€. Voilà. On a repris des sacs poubelles comme d'habitude, bah ouais, on a rupture en ce moment, ça arrive à force de mettre les gamins dedans. 1,52€. Non, je plaisante. Donc voilà, allez, ça c'est bon. Ils sont très bien, ils sentent très bon, ça cache l'odeur de comme des poubelles. Donc franchement, ils sont pas mal. Et c'est quand vous avez vos voisins, vous voyez qui c'est qui sort pas ces poubelles, voilà, c'est ça qui est pratique aussi. C'est différent aussi des autres. Pour les petites décos de Noël, j'ai pris, parce que moi je ne vais pas mettre de guirlandes normales sur mon sapin cette année, j'ai décidé de mettre des guirlandes perles. Elle met des garlandes électriques, mais elle ne mettra pas les autres en frou-frou. Voilà, hein. Ouais, j'ai envie de le faire sobre, je suppose. 8 mois avec nous, vous avez vu, elle a copié un peu sur le même cerveau que sa tante. C'est bizarre. Hein. Non, non, non. 0,97, c'est des petites perles argentées, toutes attachées les unes aux autres. Et il y a 5 mètres dedans. Ouais. Bon, tu présentes quelque chose? Ouais. Là, on nous écoute aujourd'hui. Ouais. Une petite tasse de Noël, donc ça c'est une nouvelle tasse. Hein, avec du chocolat. Avec du chocolat dedans, donc ça c'est... Non, c'est pour toi en fait.
À 2 € à Fnap et c'est pour Laura. C'est pas que j'avais demandé pour qui, c'est sa petite collection con, hein. De Noël, donc elle en avait pas, elle en aura une. En plus, j'adore petits biscuits, en voilà. Plus, c'est trop fort. Tiens, cadeau. Merci. Non, c'est pour Noël. Non Noël, Laura s'est pris un petit plateau parce qu'en fait, elle s'apporte toute seule le petit déj au lit. Donc voilà, là, ce sera bien. Bonjour Laura, voici ton petit café du matin. Oh, c'est gentil, elle est accompagnée de petits chocolats. C'est la naze. Donc, 1,16€. Ouais, non, mais nul, je l'ai vu en verre. Donc, 1,16€, donc il est en plastique. Par contre, il n'est pas en ferraille, il est en plastique, mais moi, elle aimait bien ça. Non, en fait, c'est pour ça, ça doit être pour ses bougies. Oui, c'est pourquoi ouais, c'est pour faire des petites décos de Noël. Ouais, elle avait dit, il est où son truc avec, je sais plus. Bah, c'était genre celui qu'on avait fait la dernière fois à Noël, ouais. Là. Wow. Avec les boules. Les boules. Donc, on a pris plein de cochonneries. Eh ouais, on a pris des cochonneries ouais. Parce qu'on va vous faire une vidéo action, dégustation. Donc, on a pris plein de cochonneries qu'il y avait en ce moment. Plein, là. Ça va. Moi, j'ai voulu en prendre plein, t'as pas voulu. Une nouveauté, donc on a dit qu'on va vous faire goûter ça. Donc, ça. C'est des petits biscuits enrobés de caramel avec des petites lentilles, ils appellent ça, mais c'est des sortes de Smarties. Et ça, c'est 1€. 29. Il a encore fourré son doigt, ça cherche le 2 sur tes doigts. Eh, le 2, il est là. Ouais, sur le 2012, ah, ça va. Voilà, il est là. 1,29€. Donc, il y en a combien dedans? Il y en a 42. 12, je crois que je t'ai dit, c'est ça. 2, 4, 6, 8, 8 gâteaux. 8 gâteaux. 2, 4, 6, ouais, il y a 8 gâteaux. Tu sais, c'est pas très, très bien compté. Voilà, ça on vous dira dans, ouais. Dans la prochaine vidéo si c'est bon ou pas bon. Continue dans les cochonneries, ouais. On allait se battre pour la boîte. Des Golden Rolls. Moi j'avais pris au chocolat l'année dernière, je sais pas si vous en souvenez. Si. Et bah là. Au caramel. Ouais, caramel. Bien salé. Crispy. Oui, crispy. Voilà. Dedans. Ils disent pas, il y en a combien de tubes là-dedans? Il y en a plein. Il y a 325 grammes en tout cas. Pandora 1,75€. Et franchement, ils sont super bons. Je sais pas. Pas au caramel, au chocolat, mais à mon avis, si c'est pareil, ils sont super bons. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a mis à qui? On a perdu Tata. C'est clair. Laura s'est pris des boules. Donc il y a deux sortes. Hein. Il y a celle-là et celle-là. Donc celles-là, elles sont, comme dirait Laura, elles sont en dentelle, imitation en dentelle. Ouais. Donc par contre, celle-là coûte plus cher. 2,49€. Ouais. Tout ça parce qu'il y a un motif. Voilà. Et celle-là, c'est 1,79€. Donc allez savoir pourquoi. Hein, juste parce qu'il y a un petit dessin en espèce de dessin au stylo argenté ouais. Brillant, je sais pas quoi là. Donc il y a quand même presque 1€ d'écart. Hein. Je dis bien presque. Avant qu'il y en ait un qui rattrape. Ouais, non, c'est merde. Donc, il n'y en a que 4 à l'intérieur, je précise. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'attache hein, sur cela. Hein. Ah ouais. T'as pas les ficelles. Non, c'est pour ça que j'ai pris la petite boîte d'attache. Mais non, ça se trouve que c'est à l'intérieur. Ah non, peut-être pas. Il n'y a même pas les fils à côté, rien. Non, il n'y a pas les fils. Ah ouais. Il n'y a pas d'attache, alors n'hésitez pas à prendre la petite boîte de crochet là. Donc, on parle des crochets, donc voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que je vais en ouvrir un. Qui ne voyaient pas ce que c'est. Ils sont très pratiques d'ailleurs pour la réutilisation. Alors ce qui est pratique, c'est si vous n'avez pas de boucle d'oreille, vous savez quoi faire, vous plantez dans l'autre. Non, je plaisante. Hein. Voilà. Vous me percez les mines. Ouais, c'est pratique, mais pas quand t'as des mots. Voilà, non, quand t'as des gosses, non, non c'est mort. Donc voilà, c'est une boîte là-dedans. Et il y en a combien dans cette merdouille là? 50, il y en a 50 à l'intérieur. Donc voilà, la petite boîte elle se présente comme ceci, voyez-vous. Et c'est des petits crochets comme ça, vous pouvez accrocher vos petites boules ou vos petits ustensiles de Noël. De Noël. Et ça, ça coûte 0,45 centimes. Mais je sais pas si elle n'avait pas en plastique aussi pendant un moment. Je sais pas, j'ai toujours vu en ferraille comme ça. Ah bon ? J'en avais en plastique vert. Donc on a pris bah, voilà, des cochonneries aussi pour faire la vidéo dégustation. Ouais, donc ça, c'est des sortes de petits beignets au chocolat. T'as monté le sonotone? Ouais, et bah, c'était le prix, c'était 0,89 je suppose, parce qu'il se passe. Faut qu'on change de marqueur. Faut changer de la gonzesse qui tripote depuis tout à l'heure, ça touche bah pas. Non, mais c'est quand tu prends. Et ici, il y en a combien là-dedans? Il y a 135 grammes. Ouais, ils disent pas combien il y en a dedans, donc un certain nombre. Ah hein. Oui, 2, 4, 6, 8, t'as dit. Attends, j'ai la musique d'attente, on va compter. Non, non, les 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est longue hein, pour compter. Une douzaine. Ah là, voilà. Et ça, c'est 0,89 centimes. Et l'autre fois, on avait pris au chocolat blanc, non, je sais plus. Moi, je sais que ceux-là, je les ai tous mangés, hein, même pas une heure. La dégustation, truc. Tata, la reprise des chips, BBQ. Voilà. 0,49. Elles sont vraiment très très bonnes. C'est des longues chips et vous les avez à crème oignon aussi. Ouais. Que vous m'aviez acheté et qu'elles ne sont pas durées longtemps non plus. Ouais. Et au fromage aussi, je crois. Non, il y a que deux sortes. Il y a barbecue. L'oignon et bébé. Ah ouais. Ah bon. L'oignon bah, et un petit message pour Action, faites-le au fromage aussi. Juste pour elle, vous savez, comment on l'appelle, un hein, raclette. 0,49, n'hésitez pas, c'est super bon pour l'apéro. Laura s'est acheté des mini bouboules. Des mini bouboules.
des mini bouboules, donc ça coûte pas très beaucoup cher. C'est bien parce que la boule, tu peux la garder après. C'est ça, zéro... non, c'est du plastique. 0,82 centimes, et combien il y a de boules là-dedans, j'en sais strictement rien. Et je m'en fous complètement. Tu la colles après. Non. Et t'as vu, il n'y a pas d'attache non plus. Non. Non. Ah, si, il y a des ficelles, je crois. Hein non, il n'y a pas de ficelles. Je crois qu'on voit des trucs blancs à travers. Non, mais ça ne sert à rien, ça, c'est les filles. Ah, t'es fatigué, toi. Il faut que tu fasses un masque Luxeol. Luxeol, ça va pas, ou Anaka 3, fais gaffe, ça fait. Donc voilà, elle a acheté des petites boules comme ça. Donc ça, non, ça se peut pas donner, c'est plastique, ça sert à rien. Il y avait plusieurs coloris, il y avait argenté, doré et marron, foncé un peu, avec du bleu dedans. Ouais. Jacqueline Ouse de Coussin qui était en, voilà, je la trouvais super belle, elle est toute pilou pilou là. Pilou, ouais. Pilou. Donc il y a d'autres couleurs, il y avait blanc, gris, blanc, rose et noir. Ouais. Donc moi j'ai pris en noir parce qu'avec les toutous, le blanc ça tient pas longtemps. Ah ouais, non, mais c'est surtout qu'ils vont déchiqueter, il y a des mammouths. Ouais, donc, il y a ça, des chaussures à Laura, Pandora. Ouais. Oh, elle est pas. Et ça c'est 2,99€ la tête dorée. Donc là, derrière elle est comme ça, en feutrine. Il y a une fermeture. Il y a une fermeture à l'intérieur. Donc voilà. La prochaine fois j'en prendrai un blanc, mais. Non, pas avec les chiens. Avec les chiens ça dure pas longtemps. Ou sinon c'est un oreiller qu'il faut que tu laisses là-haut. Ouais, non, mais là-haut, on a accès aux animaux. On n'est pas 50 000 coussins. On a un autre oreiller pour dormir, quoi. Samba! Alors, oh, la motivation! 32 cubes, 0,52. Voilà, ouais. Et puis bah, elle fonctionne toujours très bien. T'as remarqué que nous, quand on ne met pas de 2 sur le chiffre, on les voit quand même? Ouais, mais attends. Nous, on n'est pas bêtes. Non, mais là, c'est chiffre. Ah, mais c'est elle en fait, elle moisit tous les chiffres. T'as dos humide, attention! Ah non, regarde, il y a pas. Parce que non, c'est la texture du truc quoi. Attends, c'est le marqueur qui fait ça. Ah, il y en a, ça agrippe mieux que là, toi. Ouais, moi, je sais pas, moi, ça marche. Donc, pas. Ça, c'est très très bien si vous regardez les tests pour allumer la cheminée. Moi, je vais le dire, moi. 1,58€, j'ai racheté des disques à poncer, vous voyez l'appareil qui est là, je l'ai acheté, j'en avais acheté deux il y a. Un sacré bon bout de temps. J'ai fait les sapins en palette. Je sais pas si madame a les amis sur Instagram, sur machin. Sur si, tu les as mis sur ouais. Donc je remercie pour ceux qui ont. Pandora pas mal. Elle est en train de bouffer un gant. Elle a piqué mes affaires sur les meubles. Non, il est traîné par terre. Je sais, non. Je l'ai vu. Oh, c'est un gant Batman en plus. Tiens, il y a. Tif. Donc 1,58€ et vous avez du. Il y a. Je sais plus combien de disques à l'intérieur. 10 Non. Oui, 10, oui, pardon, excuse-moi Laura. Donc il y a du 2,80, enfin il y en a deux en 80 millilitres, 4 en 180 grains et 4 en 400 grains. Bien, pardon. Montre ton écriture, ta jolie écriture, 1,58€. On avait pris des petits chocolats comme ça pour Alexis. Bah regardez, c'est vide, hein, il n'y a plus rien, il les a mangés, donc ils doivent être bons. Hein. Et ça, c'était 0. 89. Ouais, 89. Donc la petite maison comme ça avec 4 personnages dedans pour Noël. Psst, Tiffany. Voilà. Tiff. Tiff. Tu peux faire le café s'il te plaît. Tiff. Hein? Elle est pas là. Elle est plus connectée. Ah, elle est connectée. Tiff. Elle a fait des donuts, tata, elle aime bien. 1,25€, 6 sachets. Voilà. Et puis ils étaient en rose licorne aussi, avec ouais, des paillettes ouais. Dessus. Ouais, ils sont bons ceux-là en général. Et il y en a 6 fois 2 mini. Voilà, 2 paquets. Et 2 doses dedans, de en gros, tiens. Voilà, 1,25€. Arrête de copier sur ta carte, c'est pas bon. Non, mais c'est Luxéal, il fait des évaporations. Ouais, justement, voilà. J'ai acheté ça pour T-Rex Tosaur à côté de moi, là, des grands trucs. Par contre, ils sont chers. Hein. 2,37€ ouais, les 3, pas, ils sont fait plaisir quand même. Ouais, il n'y a plus les petits, là. Bon, tu parles d'un chewing-gum, ils vont se casser les pattes. Ouais, mais l'autre fois, on vous a payé moins cher. C'était pas les mêmes. C'était non, c'est pas les mêmes. Ouais. Ouais. Donc 2,37€. Du chewing-gum papillon pour les chiens. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu leur en donnais faire des bulles. Ouais, des bulles. Eh, qui veut buller? On a pris de la crème pour Tiffany pour la peau. C'est un masque à l'argile pour purifier, matifier et affiner les pores. J'irais du gras qu'à sécher. Et donc ça, c'est un masque pour la peau, du visage. Et ça, c'est... Oh, 1,99€. 1,99€. Désolé, les prix s'effacent, donc ça va être compliqué. Il y avait trois sortes. Il y avait trois sortes. Il y avait pour masque d'argile, vous savez dit quoi l'autre? Au charbon. Au charbon, il y en avait un autre. Et il y en avait un autre, c'était vraiment anti-pollution en fait. Ouais, je crois, des polluants, un truc comme ça. Donc voilà, la marque B-Face. Donc on va tester et on vous dira si c'est bien ou pas. Voilà. Des tutucs. 0,69€. Voilà. Nature, originale. Et puis bah, toujours ça fait son petit effet, ils sont très bons. Qui a pris ça? C'est Laura.
C'est pour ses kilos. C'est pour ses kilogrammes, alors. Dis pas ça parce qu'il y a cappuccino dedans. Ah oui, il y a cappuccino. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y a double chocolat, donc il y en a un à quoi, alors. Donc là, c'est double chocolat celui-là et l'autre, c'est au Chacopino. Attention, ça rigole pas, ça va faire péter les culottes. Donc 1,39€ la tablette de chocolat. Attention. Et puis moi, j'ai jamais vu des KitKat comme ça. Hein. C'est la première fois. Ah mince, il va falloir que tu te forces à les manger. Je vais vous montrer un truc, moi, à la fin, vous n'allez pas être déçus du voyage. J'ai repris un lot de petits gants pour Alexis, des petits gants magiques. Donc ça, c'est pratique parce qu'à l'école, soit il est perd ou soit ils sont dégueulasses en journée, ou soit ils s'envolent. Alexis, ça s'envole. Ça fait un coup de terre sur le toit. Et ça vaut 1,49€ les deux paires. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout à cet âge-là. Les mômes, ils font pas attention à leurs affaires. Donc voilà. Ouais, moi, j'ai acheté une petite étoile pour mettre les petits réchauds Party Light. 0,99€ et c'est pour mettre dans mon petit plateau pour faire une petite déco de Noël. Alors, vous aviez blanc fumé comme ça, vert fumé. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est joli. Hein. Voilà. vert fumé comme ça, il y avait doré, argenté, ou sinon il y avait noir aussi fumé, aussi ouais, le vert, crois, ouais. Avec doré et argenté. Ouais. Voilà. 0,99€. T'es même une étoile ? Non, t'es pas une étoile, t'es une lumière, t'es pas une étoile. Ouais, je veux juste voir si ça s'enlève en fait, tu vois. J'ai pris des petites décorations, kits de décoration. Donc j'ai pris des petites plumes comme ça. Donc il y en a qui sont avec du fleuil et des plumes, non. Du fleuil ? Avec du fleuil, ouais, c'est du doré. Du brillant, tu vois. Du fleuil. La feuille, tu veux d'OCB ? Donc ça, c'est super pratique pour faire des petits trucs. Et ça, c'est 0,79€ le petit paquet. Voilà. Encore des cochonneries pour faire le test aussi. Il y a 5 packs. Ils appellent ça des flocons de neige. Ouais, des flocons de neige. Mais alors, quand tu vois la merde qu'il y a à l'intérieur, à mon avis, on va vomir. 1,49€. C'est de la noix de coco. Chéri coco. Okay, donc on testera 5 packs. Je t'ai dit 5 packs. 5 packs dedans. Ouais. Donc on vous fera voir dans la vidéo. De toute façon, on fera la vidéo après. Donc on testera les produits dégueulasses. Hein. De chez Action. Ça, c'est 1,49€ le paquet. Attends, je vais le voir à ma façon. Ça va bien nous remplir le pantalon, ouais. Moi, je vous le dis. Ah, ouais, si, c'est quand même. Ouais, c'est... Non, on fera voir après, maman, à dégustation. On vous fera voir après pour la dégustation. Merci. Dégustation. Donc voilà, il y aura une vidéo encore. Donc, au total, aujourd'hui, il y aura 3 vidéos. Donc, nos actions et dégustation. Bah, les cochonneries, on continue. Ouais, on a pris les deux packs comme ça. Donc, celui-là au chocolat, c'est quoi, toi? Moi, c'est choco. Toi, c'est choco tout court. Ouais. Moi, c'est chamallow avec des petites paillettes dessus. Voilà, c'est marshmallow biscuit. Et toi, c'est marshmallow biscuit. Ouais. Voilà, ils ont mis à la masse. Avec du cacao. Donc, on fera ça aussi dans la vidéo dégustation. Vous avez dit, c'est jamais testé, hein, on jamais vous garantit. Testé, hein. C'est la première fois. 1,19€ le paquet là. Donc, il y en a combien dedans? Je ne sais pas. 20. Ça, idem. Et puis les autres, ouais. Pareil. Et c'est 250 grammes. Ouais, on a pris que des cochonneries parce que c'est une nouveauté. Donc, on va faire une vidéo. Là, par contre, là, on va faire un exploit. Mais alors, phénoménal. Ah ouais, si vous voulez faire des heureux. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est la première fois qu'on voit. Il y a des personnes qui aiment ça, il faut faire un heureux avec ça. Ah ouais. Non, on n'ouvre pas, démontre-le. Non, mais que les gens ils voient que c'est vraiment pas de la connerie. C'est un cadeau en fait. Voilà, 1,5 kg de tablettes de chocolat caramel beurre salé. Vas-y, déballe. Hein, je raconte pas de conneries, c'est vraiment. Elle est bien faite. The chocolat. Ah oui, il est tout à l'état. Ah ouais. Oui, c'est le morceau de carré, il est là. Ah, le fin. Quand je montre que c'est pas des conneries, c'est vraiment du chocolat. Donc celle-là, elle a 9,95 et il y a 1,5 kg dedans. Voilà. C'est dégustation, chérie. Je montre comme quoi c'est bien du chocolat. Hein. Je ne le mange pas, on le gardera pour la tablette de dégustation. Donc voilà, c'est une grosse plaquette. Il y a même le petit truc en haut si vous voulez l'offrir à Noël. L'offrir. Donc c'est du caramel beurre salé. Hein. Regardez là, papy. Vous êtes sérieux? Elle m'a piqué un bout! Non, elle a déjà piqué un bout! Ah? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Tu peux nous faire les cafés, Tiff, s'il te plaît? S'il te plaît! S'il te plaît! Pourquoi? Pourquoi non? Elle fait grève aussi, comme le sac. Tu te donnes un morceau de mon chocolat! Je suis bien dessus! Tu veux goûter? Donc franchement, voilà! Il est bon! Il est bon alors? Ouais, il est bon! Très bon! Voilà! Ah bah, vous avez des petits morceaux de. Vous l'aurez quand même dans la vidéo dégustation quand même. Ça croustille. Voilà. Sur ce, c'était. Bah, c'est tout. C'est bon, t'as tout fait, maman? Oui. Tout. Oui.
la petite boîte, bah non, c'est After Eight. Donc voilà. Sur ce, je vous mettrai tous les liens pour Luxeal en dessous et tous les liens comme d'habitude. Les liens. Les liens pour la boutique. Les liens. Les liens pour la petite partie light, Vinted, VivaDog, VivaBox, enfin tout. Oula. Viva 4 et tout, tralala, et tout, et pour le Utip aussi. Et pour le Patty Light, et pour le Patanaya Luxeal. Et Vinted. Et Vinted, hein, non, c'est Vinted. Et allez. Aujourd'hui, elles ont ouvert quoi? Leur calendrier de l'Avent, parce que nous sommes le premier. Voilà. Et elles ont eu quoi? Un vernis. La preuve, elle a le doigt qui est peinture lurée rouge. Il est super beau, franchement, regardez. Tiff, elle a eu un vernis. Et Tiff, elle a eu... qu'est-ce que t'as eu? Et Tata, elle a eu une crème pour les donc mains. Donc, elle a eu son petit vernis dans le truc de chez Max & More. Il est super beau, hein, vous voyez. Monte ton pouce, allez. Vas-y, fais défiler le pouce. Et moi, j'ai eu une petite crème dans le calendrier spa et dans le... Oula. Et dans le party light, c'est un réchaud, mais je l'ai pas encore. C'est l'alcool, ça fatigue. Il y a trop de dans le... ça fatigue, l'alcool. Allez, sur ce, on vous fait de gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et n'oubliez pas d'aller sur le Utip. Et puis, on vous fait de gros bisous. Et la prochaine vidéo, ce sera quoi? Nose. Et cash price. Et pas vrai. Voilà. Et pas vrai. Allez, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très très bientôt. À très bientôt, beaucoup. Bisous. Alors, oui, ma femme, elle avait oublié de vous présenter un produit qu'elle a acheté. Action aussi. Donc, c'est le petit village de Noël qui s'illumine avec les petits boutons qui sont de côté. Ah là là, c'est mignon, c'est tout beau. Et ça, ça coûte 9 euros. 95. 95. C'est un promo, là. C'est elle qui fait, pose, qui fait portique. Là, c'est très bien. Donc, voilà. Un beau joli village. Ouais. Donc, le sapin, il est de travers. Vous inquiétez pas, il se redresse. Parce qu'il est dans l'emballage. Donc, voilà. Voilà, un joli petit village à 9,95 €. Allez, bisous. Bisous à tous et à toutes.